Sébastien Roux, que l'on retrouve en direct de Budapest. Bonsoir et bravo. Vous n'aviez jamais nagé aussi vite. Qu'est-ce qui vous a motivé à ce point? Pas mal de choses. L'ambiance de l'équipe de France, toutes les médailles depuis le début, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et après la contre-performance entre guillemets de lundi soir sur le 400 mètres, j'avais les crocs pour ce 1500 ce soir. Alors c'est vrai que trois jours, hein, trois médailles d'or pour les Français, Yannick Agnel avant-hier, Camille Lacour hier, vous ce soir. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette équipe de France? Il y a une très bonne dynamique, ça pousse un peu tout le monde, ça nous donne des ailes et je pense que ça va continuer. On a encore de belles cartes à jouer. Camille dès demain sur le 50, Coralie Balmy, Alain, Bernard, donc ça va continuer et j'espère qu'on aura plein d'autres médailles d'or. Vous vous en parlez entre vous le soir quand vous rentrez à l'hôtel, vous vous dites quand même c'est incroyable ce qu'on est en train de faire là? Oui et non, on se félicite, on reste aussi quand même centré sur soi-même, mais c'est des émotions qu'on partage ensemble. Je sais qu'hier j'ai passé une après-midi exceptionnelle avec toutes les médailles et que quand je suis rentré le soir, je me suis dit bon, c'est à toi, demain, faut faire ton truc et faut que tu ramènes ta médaille. Ce qui est incroyable, c'est qu'après Pékin, vous aviez pensé à raccrocher. J'imagine que vous ne regrettez pas aujourd'hui d'être revenu sur votre décision. Non, c'est sûr. C'est vrai que bon, c'est la carrière d'un sportif. Hein. Il y a des hauts, des bas. Pékin, ça a été vraiment le bas pour moi. Et voilà, donc j'ai douté. Et puis je me suis dit, bon, faut pas partir sur un échec. Tente le truc. Et voilà. Bon, aujourd'hui, c'est une médaille. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. On l'espère aussi pour vous. Merci beaucoup, Sébastien Roux. Et encore bravo. Et puis dites aux copains qu'on attend la prochaine médaille d'or demain. On laisse la caméra en place pour le direct. Merci. Merci. Je voudrais juste faire un petit coucou à la grand-mère qui est en ce moment hospitalisée et que je salue et que j'embrasse. Eh bien, on la salue et on l'embrasse aussi. Elle doit être ravie et très, très fière de vous. Merci, Sébastien Roux.